Bonjour à tous. Merci aux courageux de la dernière session de la journée. Merci aux organisateurs pour l'invitation pour cette superbe journée. C'est un honneur, merci beaucoup. On va discuter aujourd'hui effectivement de l'algorithme de YouTube, enfin de biais qu'on peut voir sur l'algorithme de YouTube, mais c'est plutôt un prétexte général pour discuter finalement d'algorithmes en boîte noire. Je vais commencer sur une introduction générale des algorithmes en boîte noire, et puis Gilles va parler en particulier de cet algorithme-là. Donc là, le terme un petit peu qui a refait surface il y a à peu près en 2015, c'est le terme de boîte noire pour certains algorithmes dans la nature, entre guillemets, notamment grâce à ce livre de Franz Pasquale, donc en 95, ça s'appelle The Black Box Society, et qui fait l'hypothèse qu'il existerait des algorithmes secret, en fait, qui serait un petit peu à l'origine du contrôle de l'information des utilisateurs et en retour en fait de jugement sur les comportements de ces utilisateurs et qui aurait un gros impact finalement sur la vie quotidienne des gens qui accéderaient à des services. Et donc il fait un autre point important dans ce livre, c'est que on parle souvent d'une neutralité algorithmique. Et lui dit par les temps qui courent, il n'y a plus vraiment de neutralité algorithmique quand l'algorithme s'exécute. Dans un lieu tiers, il y a toujours un choix éditorial qui est effectué sur le traitement des données de l'utilisateur pour rendre un service donné. Il y a un point important à ce niveau-là. Et jusqu'à plus récemment, des gens, par exemple, de la Quadrature du Net, qui vont jusqu'à dire qu'il y aurait peut-être des ententes étatico-industrielles sur, par exemple, pour la censure d'informations sur les réseaux sociaux, en fait, ou des algorithmes, entre guillemets, donc bon, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle qui ré enlever automatiquement des plateformes de réseaux sociaux des messages jugés comme problématiques ou censurer des comptes dits problématiques. Donc on voit que ça fait réagir beaucoup de monde un petit peu, et nous on s'intéresse un petit peu à regarder quelle est la réalité autour de ces choses-là et à voir à terme comment on peut quantifier ces choses-là pour arriver à dire effectivement est-ce que c'est un fantasme, est-ce qu'il y a un petit peu de réalité. On évolue dans cet espace-là. Alors pour faire un tout petit retour en arrière, effectivement, quand on parle d'obscurité, d'algorithme en boîte noire, donc il faut quand même se rappeler initialement voilà, l'arrivée de l'ordinateur personnel. Les gens qui en possédaient un à l'époque l'utilisaient les trois quarts du temps sans forcément comprendre le fonctionnement interne de l'algorithme ou du programme qu'ils avaient installé. Mais s'ils avaient des doutes sur le fonctionnement du programme, ben, ils pouvaient, et s'ils avaient la compétence, bien entendu, aller examiner le code source. Initialement bien ouvert, bien accessible. Alors après, on a eu une arrivée de code fermé, comme on le sait. Mais bon, au moins dans un premier temps, il y avait une grande partie des choses qui étaient examinables par des experts. Ça pouvait amener un petit peu de confiance dans l'exécution qu'on avait sur les tâches au jour le jour. Avec l'arrivée d'Internet et la mise en réseau des services, cette fois, les services sont exécutés de manière distante, et on a utilisé enfin l'utilisateur allait sur les plateformes, enfin, sur des pages web distantes pour obtenir un service donné. Donc, par exemple, ici un service de recherche web. Donc, on se rappelle pour les plus anciens d'entre vous de Yahoo qui avait cette tête-là dans les années 90. Donc, quelque chose qu'on voit plus vraiment aujourd'hui, c'est toute cette partie-là en fait. Malgré le fait que l'algorithme de ranking, de recherche s'exécutait à distance, on avait quand même l'utilisateur avait un contrôle un peu plus grand parce qu'on avait ces liens-là qui formaient une sorte d'annuaire un petit peu. L'utilisateur était actif sur la plateforme. Bien qu'évidemment, rien ne garantisse que Yahoo listait l'intégralité des sites web sur sa plateforme, bien évidemment. Aujourd'hui, on est passé, enfin, à partir de 2010, à partir de 2000, plus exactement, pardon, on est clairement à la suite de Yahoo, arrivé sur cette barre de recherche qui, évidemment, a l'air beaucoup plus ergonomique. Mais on sent tout de suite que là, on est dans un mode de confiance complète à l'exécutant des algorithmes à distance. Et on pense qu'on rentre dans un modèle qui est beaucoup plus basé Oracle. Donc, confiance pleine et entière donnée à l'algorithme distant. Alors pourquoi c'est important? Enfin, ce qui va être retourné après des recherches par exemple, dans le moteur de recherche Google ici, donc ce vont être des liens qui vont être classés dans un certain ordre, et on a cette courbe ici qui est très caractéristique,
s'appelle la click-through rate curve, et donc qui représente en fait le taux de clic, représenté ici en Y, en fonction de la position du lien sur la page de résultat qui est affichée. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si le lien retourné par Google est placé en première position, bah, il va être cliqué en moyenne, hein, sur toutes les requêtes faites, à 18%. En numéro 2, ce sera 10%. En numéro 3, 7%. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ça décroît extrêmement rapidement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous êtes placé à partir de la 10e page ou en 2e page, il y a très peu de chances que les utilisateurs finalement arrivent en masse sur votre page. Donc, l'algorithme, là, on voit bien qu'il a un impact assez important sur la visibilité de l'information qu'ils pouvaient chercher de manière logique. Il y a vraiment un contenu éditorial ici, ou des choix qui sont faits par l'algorithme et qui ont un impact absolument quantifiable, en fait. Alors, si on est d'accord pour dire que ce type de service d'oracle distant marque un petit peu un tournant dans l'ère peut-être des boîtes noires, on se représente des choses ici qui, pour beaucoup d'entre vous dans la sécurité dite classique, est pas vraiment étonnante, mais au niveau des services ou algorithmes courants est un petit peu moins vu ou pris dans ce sens-là. On a un utilisateur qui accède à un service distant rendu par un algorithme, ou alors on va appeler ça un modèle aujourd'hui pour tout ce qui est apprentissage automatique, et qui va pouvoir observer en réponse à ces requêtes ou questions via l'API, par exemple des labels ou des liens pour une recherche dans un moteur de recherche. Ok. Ok. Je tente comme ça. Donc on va parler pour tout ce qui est boîte noire. Ça marche mieux. Ouais. On va parler pour tout ce qui est boîte noire d'entrée-sortie, donc input, qui vont être constitués par les actions de l'utilisateur sur une plateforme, ou alors les données qu'il va vouloir envoyer, après un processing arbitraire de l'algorithme, donc on va observer les sorties qu'on va appeler output. Donc d'une manière claire, c'est une boîte noire, l'utilisateur il a pas accès forcément à son historique, malgré que ce soit demandé dans de nombreux endroits du monde. Possible, mais c'est pas généralisé. Il n'y a évidemment pas de connaissances avancées sur l'algorithme qui est exécuté. Et donc, il y a une confiance qui est donnée à cet algorithme distant, malgré le fait qu'on sache que l'algorithme distant, il a un grand intérêt à manipuler les sorties. Par exemple, le moteur de recherche, on voit qu'en fonction du taux du classement, on a un taux de clic qui varie énormément. Et donc, comme on sait que les moteurs de recherche en particulier monétisent une partie des liens, on comprend qu'il y a un trade-off ici à jouer entre la précision de ce qu'on va renvoyer, la qualité de ce qu'on va renvoyer et une valeur qu'on va vouloir maximiser, par exemple un gain de revenus par rapport à la publicité. Donc on a quelque chose un petit peu adversariel à ce niveau-là. Donc je vais est-ce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment, ou est-ce que c'est un petit peu un épiphénomène? Donc nous, on pense que c'est le cas un petit peu partout. Donc je vais parler très rapidement de recommandations, donc Gilles prendra la suite là-dessus. Donc, ici vous avez un exemple donc des recommandations sur Amazon. Donc les recommandations aujourd'hui, il faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour toutes les entreprises. Elles sont là souvent pour garder les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible. Ici en l'occurrence pour Amazon, désirer des objets qui n'avaient pas été forcément recherchés en direct dans la barre de recherche, mais qui sont ramenés par similarité avec des recherches faites. Donc ça, c'est très important. Et on sait que, par exemple, dans ce cadre-là, sur la plateforme d'Amazon, on a 35% des ventes qui dépendent de ces recommandations. On voit qu'à l'arrivée, ça doit sommer à des sommes assez faramineuses. Donc c'est vraiment des algorithmes cruciaux dont on n'a pas vraiment, encore une fois, du côté utilisateur, d'idée de leur fonctionnement. Donc on a aussi des choses qui sont un petit peu moins visibles. Avant, le banquier décidait un petit peu arbitrairement, mais c'était lui qui décidait de vous fournir un crédit ou pas. Et maintenant, on a des algorithmes qui se généralisent, s'appellent les techniques de credit scoring, et donc qui sont implémentées via des classifieurs d'apprentissage automatique. Donc on va se baser sur les données de l'utilisateur qui sont fournies en entrée, pour faire une prédiction sur le défaut du remboursement possible
dans ce crédit-là. Donc là, à chaque fois qu'on cherche, on a ce genre de schéma-là. Donc c'est toujours un peu very good quand on cherche les images, mais on se doute que ce n'est pas uniquement le cas, sinon c'est un outil qui n'aurait pas lieu d'être. Et donc ce score-là, en fait, une fois qu'il est là, on a une valeur de coupure pour dire au-dessus de ce score, on donne le crédit, en dessous, on ne le donne pas. Et donc on a bien, à partir d'un score, un algorithme décisionnaire qui va fournir ou pas le crédit. Et où, avant, on sait qu'on a des datasets, il y a une dizaine d'années, on avait par exemple une vingtaine de facteurs pour décider ou pas de donner un crédit à une personne. Et maintenant, on sait que ces algorithmes s'appuient sur des milliers de facteurs. Donc il y a un premier problème, c'est que les utilisateurs probablement ne connaissent pas l'intégralité des facteurs qui sont pris en compte pour donner ce score. Et puis surtout, même si on leur présentait, la compréhension de tous ces facteurs s'apparente à quelque chose d'un petit peu impossible. Un quatrième exemple, ce sont un petit peu tout ce qui est classification d'images. Donc ici, c'est Amazon ML. Donc c'est une plateforme qui sert à faire de la classification d'images. Donc on envoie les inputs utilisateurs, donc c'est l'image de ce chien-là, et on attend en retour de l'algorithme distant et inconnu des labels. Donc là, on sait que c'est un animal avec une probabilité de 98%, un chien en particulier, même probabilité, et ainsi de suite. Donc ça paraît un petit peu anodin, mais il faut savoir que ces choses-là, c'est exactement ce qui est implémenté, qui sert à implémenter la conduite automatique dans les voitures autonomes courantes. Donc là, ce n'est pas l'utilisateur qui fournit directement les inputs, évidemment, c'est les capteurs de la voiture qui sont nourris au classifieur. Le classifieur, basé sur les probabilités de reconnaissance de scène, va prendre une décision. Ici de tourner à gauche, ce qui paraît légitime. Et on commence à rencontrer des premiers problèmes. Donc il y a des gens qui ont montré il y a 3 ans que par exemple le logiciel Nvidia ici était entre guillemets buggé parce que si on avait exactement le même input mais avec un tout petit peu plus de un petit peu plus sombre, la décision qui était prise par exactement le même modèle amenait quand même à une conséquence un petit peu probablement tragique ici. Donc on a dans ces nouveaux modèles des bugs comme dans les programmes classiques. Ici, c'est voilà, modèle d'apprentissage machine, mais qui sont également buggés, potentiellement. Et donc là, on a bien un algorithme qui est placé par les constructeurs dans une machine auquel l'utilisateur peut juste se fier, ou la voiture peut se fier uniquement aux décisions, mais sur lequel moi je ne peux pas faire d'audit, j'ai aucun contrôle. Encore pire, on sait que. Donc là, c'était des bugs, on va dire, standards. Là, on sait que ces algorithmes de classification, ils sont attaquables via des techniques relativement basiques qu'on va appeler des techniques adversariales. Donc si vous avez un panneau stop sur la route comme ça et qu'on place des autocollants, certes à des endroits bien placés par rapport à l'attaque, et ben, on va réussir à tromper le classifieur. Le classifieur, ici, voyait un stop et après l'attaque, il voit une limite de vitesse. Donc en gros, il ne va pas s'arrêter, la voiture va continuer tout droit. Et donc ça, c'est des exploitations finalement des propriétés intrinsèques des classifieurs et donc elles se développent de plus en plus. Donc, en plus des bugs standards, on a des attaques aussi également possibles donc sur des algorithmes dont l'utilisateur ignore à peu près tout. Et l'autre bout de la chaîne, en fait, pour finir un petit peu sur l'image, c'est le fameux crédit social qui est en train d'être déployé en Chine, donc où on a une reconnaissance faciale qui sert à associer les personnes à leur profil dans des grandes bases de données et qui sert à leur associer des actions qu'ils feraient dans l'espace probablement dans l'espace physique pour augmenter ou plus probablement aussi décroître leur score s'il y a des mauvaises actions. Donc là, inutile de dire que l'utilisateur, il n'a pas grand contrôle sur ce qui se passe au niveau de l'algorithme. Voilà, donc ça paraît être un petit peu la dystopie maximale. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se diriger gentiment vers un monde où on va se retrouver avec des algorithmes qui interagissent avec des algorithmes en boîte noire et ainsi de suite, et l'humain va être là, en fait, en quelque sorte, pour fournir des stimuli à l'algorithme. Prendre éventuellement les résultats d'algorithme pour lui-même quand il est dans la boucle, et le plus souvent, probablement, il ne le sera pas forcément. Donc c'est quelque chose qui commence à inquiéter un petit peu le public et qui nous intéresse au niveau de la recherche. Donc quand on parle de ça, on a tendance à dire oui, mais donc là, il y a quand même des gens qui s'intéressent à plusieurs directions de recherche pour essayer de répondre
à cette problématique-là, donc nommément la première, l'explicabilité des algorithmes distants ou des modèles d'apprentissage machine. Donc ici, on a par exemple, si le développeur d'un modèle qui sert à faire de la classification d'images fournit une image en entrée ici, on veut vouloir expliquer la décision de l'algorithme, donc du classifieur, de lui demander pourquoi on se retrouve avec un label Labrador et guitare, ce qui paraît étonnant quand on n'a pas toutes les images sous les yeux. Bon, là, on le comprend. Et donc là, l'algorithme, lui, il est capable de retourner, enfin, l'algorithme qui surveille, enfin, qui explique l'algorithme en boîte noire, est capable d'expliquer que voilà, la décision de dire qu'il y a une guitare électrique, c'est parce qu'il y a le manche ici. L'acoustique, c'est parce qu'il y a un peu de bois, et le labrador, c'est bien parce que sur certains pixels de l'entrée, on reconnaît une tête de labrador. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Mais l'hypothèse un peu fondamentale ici, c'est que l'algorithme, il est accessible à la personne qui l'inspecte. C'est-à-dire que il faut que l'algorithme soit local à la machine, puisque pour arriver à ce genre d'explicabilité, il faut envoyer des millions de requêtes. Des milliers de requêtes très localisées à l'algorithme. Donc ça, on ne peut pas imaginer faire la même chose à distance pour le moment. La deuxième chose qui peut sembler reliée, mais qui ne répond pas complètement à la problématique non plus, c'est ce qu'on va appeler la transparence algorithmique, donc, notamment poussée par, par exemple, la RGPD en Europe. C'est de dire, bon, il faut rassurer l'utilisateur en ouvrant le code source, par exemple. Donc c'est un petit peu la posture, faites-moi confiance, je fais les choses proprement, c'est promis. Donc là, on a un exemple avec l'admission post-bac, qui a fait aussi beaucoup de bruit dans les mois passés. Donc c'est l'algorithme qui va attribuer les étudiants dans des formations, dans des établissements du secondaire basés sur leur profil. Donc là, l'input, c'est leur profil, leur historique, et l'output, c'est dans quel endroit ils vont pouvoir continuer leurs études. Donc, suite au nombreux tollés qu'il y a eu, ou aux grandes discussions qu'il y a eu sur cet algorithme-là, le gouvernement a dit, bon, on publie le code de Parcoursup, le voilà. Donc, première bonne chose, c'est ils ont été voir les copains de Framasoft, au lieu de mettre ça sur GitHub, donc il y a eu un effort, c'est pas mal. Et donc, voilà, on a le code ici, on a le code qui détaille l'algorithme de Parcoursup. Alors ça, clairement, je pense que ça ne vous étonnera pas de penser que c'est bien de faire ça, mais qu'est-ce qui va me prouver à moi que c'est vraiment cet algorithme qui est exécuté sur le serveur distant? Il n'y a rien qui répond à cette question-là. Et en plus de cette question-là, c'est qu'on sait tous que des algorithmes, ils doivent être initialisés avec des variables, et toutes ces valeurs-là, elles ne sont pas non plus données. Donc en fait, même pour un algorithme identique, exécuté de manière identique, dans les mêmes conditions, les variables d'initialisation, elles sont critiques pour les sorties. Donc ça, c'est dire voilà l'algorithme, tout va bien, c'est probablement pas suffisant. Alors est-ce qu'on est un petit peu trop dur en faisant pas confiance à l'ouverture de l'algorithme de la manière suivante? Il y a des choses qui sont passées aussi il y a 2 ans. Donc depuis 2 ans, il y a Facebook qui a décidé aussi d'aller vers l'explicabilité en fournissant, quand des publicités sont affichées à l'utilisateur. Donc il y a un petit bouton pourquoi je vois cette publicité, qui est censé fournir une explication contextuelle de pourquoi je reçois une publicité sur tel ou tel objet ou pour telle ou telle activité. Donc ça aussi, ça peut paraître une bonne chose. Sauf que donc des chercheurs ont montré qu'après une campagne de collecte de beaucoup, beaucoup de profils utilisateurs et d'interactions avec des publicités, que évidemment, alors évidemment, on a des pop-ups qui sont un peu limités en espace pour afficher les raisons. Puis Facebook fournit 4 ou 5 raisons et termine les 4 ou 5 raisons avec la phrase un peu laconique et possiblement d'autres raisons. Donc globalement, ce qui est dit, c'est que l'explication, elles sont pas complètes, et puis bon, elles peuvent apparaître un petit peu vagues. Pire que ça, ils ont aussi montré qu'en fait, des publicitaires qui étaient un petit peu malicieux pouvaient camoufler les vraies raisons de leur action derrière les facteurs les plus triviaux, enfin les plus basiques, quoi, qui recouvraient le plus d'explications possibles. Donc c'est un petit peu un problème aussi, et ça rejoint un petit peu toujours cette posture du « faites-moi confiance s'il n'y a pas de problème ». C'est un petit peu, à notre sens, ça sert un petit peu pour désactiver la volonté de l'utilisateur d'en savoir un petit peu plus. Et nous, on aime bien se représenter ce problème-là,
d'une manière simple comme le problème d'un videur dans une boîte de nuit. Le videur dans une boîte de nuit, il doit servir la politique de l'établissement, normalement. Et si, par malheur, l'établissement il a des volontés de ségrégation ou de choses qui ne sont pas très, très avouables, bah, le videur il a peu de chances de vous dire qu'il vous refoule à l'entrée pour une raison ethnique ou raciale. Il va probablement trouver une autre explication qui va vous satisfaire sur le moment et que vous ne pourrez pas vous-même démontrer comme étant correcte. Mais bon, l'explication sera là pour désactiver le problème. Et la seule solution pour arriver à éventuellement voir qu'il y a un problème dans ces explications, c'est de faire ce que font les associations, c'est-à-dire du testing. On va ramener à la porte 10 personnes qui ont à peu près exactement le même profil, hormis la caractéristique qu'on suspecte être celle qui est discriminante. Et voilà, si c'est constaté qu'il y a un changement sur cette caractéristique-là, alors à ce moment-là, on peut aller voir la justice pour faire un dossier, pour essayer de faire condamner la chose. Donc on a en fait, on pense en face de cette problématique de l'explicabilité, on a le problème du videur en fait, qui est un peu le contre-exemple général. On pense à cette volonté d'ouvrir le code sans aller plus loin dans l'explicabilité, voire l'exécution des processus. Donc nous, on pense qu'à ce niveau-là, en fait, on est face à un domaine qui est en pleine genèse. Donc il y a des gens qui commencent à travailler sur ces choses-là. Donc on a encore notre utilisateur qui accède à un service distant ici. Et les choses qu'on pourrait vouloir faire pour créer des audits d'algorithmes donc à ce niveau-là de la réflexion, ce serait de manipuler les entrées qui sont manipulables. Donc si c'est un classifieur d'images, c'est facile, je peux fabriquer des images avec certaines caractéristiques, changer des pixels et ainsi de suite, les envoyer à l'algorithme en boîte noire, collecter les résultats et boucler. Je vais m'arrêter quand j'aurai suffisamment de réponses pour répondre à mon hypothèse. Donc là, comme ça a l'air simple, mais tout le propos d'un algorithme d'audit, c'est de trouver des bonnes hypothèses qui vont arriver à être démontrées par ce type d'observation-là. Donc là, décrit comme ça, c'est exactement ce qu'on aurait si on examinait un algorithme local, donc là, ce dont je vous parlais en termes d'explicabilité. Mais donc le gros problème et la grosse différence du fait que l'algorithme s'exécute à distance sur un tiers qui n'est pas de confiance, c'est qu'il va falloir faire l'hypothèse que potentiellement l'algorithme il est malveillant ou il va pas faire des réponses complètement correctes pour éventuellement cacher les raisons de son action. Et deuxième problème, c'est qu'il va falloir interroger cet algorithme avec beaucoup moins d'informations pour la simple et bonne raison que si vous envoyez 1 million de requêtes à Facebook pour essayer d'expliquer la décision d'afficher telle ou telle pub, vous avez quand même de fortes chances d'être banni de la plateforme assez rapidement. Donc ces deux composantes-là, on pense que même si elles ont l'air un petit peu simples, elles ramènent à penser l'intégralité de la problématique. Donc avant de passer la parole à Gilles pour le cas concret de la recommandation, donc, je pense qu'on peut, arriver à argumenter sur le fait qu'on est passé d'un contrôle de l'utilisateur sur l'algorithme, voire d'un développement, à potentiellement beaucoup de situations où l'algorithme il a un impact vraiment important sur les individus ou sur les populations et qu'on manque d'outils pour pouvoir auditer ces choses-là à grande échelle. Donc on a besoin d'outils d'audit user-sided, on va dire, et ce qui est intéressant pour des chercheurs, je pense, et des programmeurs, c'est que en fait, on se retrouve à un carrefour de plusieurs domaines différents. Donc la sécurité, vous êtes bien placé pour le savoir ici. Mais quand on parle de modèles d'apprentissage automatique, il y a de la science des données qui est très importante, comprendre ces modèles aussi. Et par exemple, de la théorie comportementale, de l'observation d'un objet en boîte noire par ses entrées et ses sorties. Gilles, je te laisse la parole pour l'algorithme. Non, 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 c'est bon. Okay, merci. Bonjour, bonsoir, merci. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Plus proche, comme ça. Ok. Alors, Erwan a parlé de nos travaux d'une manière générale. Moi, je voudrais zoomer sur le problème des algorithmes de recommandation. Alors, on a déjà évoqué un petit peu qu'est-ce que c'est. Et je vais essayer de zoomer plus. Voilà. D'une manière générale, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme de recommandation? C'est un algorithme qui
Bon, alors à quoi ça sert? Ça sert à filtrer l'énorme quantité d'informations qu'on a sur le web. Enfin, je pense qu'il faut bien se rendre compte que tout ce qu'on perçoit sur Internet est passé à travers la moulinette d'un fil de recommandation. D'une manière générale, c'est quelque chose qui va faire qui va nous recommander des items. Donc on a vu le cas pour les pages web avec Google ou pour les objets avec Amazon. Comment ça marche? Alors si, ici j'ai un utilisateur lambda qui achète une bière de type A. Et en fait, le rôle de l'algorithme de recommandation, ça va être d'établir une fonction de distance entre la bière A et une autre bière, la Duff ou la bière B, par exemple. Et de dire, bon, ben, puisque mon utilisateur aime la bière A et que la bière B est pas loin, lui ressemble beaucoup, je vais lui recommander la bière B. Alors, dans la pratique, bien sûr, il ne recommande pas un seul produit, mais plus une série de produits, comme ici, plusieurs bières. Ce qui est important là-dedans, et je le souligne, c'est cette idée que le recommandeur, il marche par similarité. Il essaye de trouver les objets qui sont similaires. Et ça, il le fait d'ailleurs en observant les comportements des utilisateurs. Alors, pourquoi c'est important? Erwan a déjà parlé de le click-through rate, là. Donc, moi, j'aime bien le présenter en disant que pour prendre un truc, ça veut dire que si on est dixième dans le classement, on a 18 fois moins de visiteurs que si on est premier. Ça fait quand même un bon impact. Donc, ça veut dire 18 fois moins de personnes qui lisent une même info ou qui essayent d'acheter un produit. Un autre argument que j'aime beaucoup, c'est ce papier-là. C'est un papier de Watts qui est assez connu. Et il s'intéresse au Artificial Cultural Market, alors les marchés culturels artificiels. Ce qu'il veut dire par là, c'est les plateformes de streaming ou les plateformes qui proposent des contenus en ligne, artificiels dans le sens où ils sont créés par la plateforme. Et ce qui est marrant sur ces plateformes, ou ce qu'il a observé, c'est que en fait, les chansons populaires, sur toutes ces plateformes, il y a peu de chansons qui sont très très populaires, écoutées des millions et des millions de fois, et beaucoup de chansons qui sont jamais écoutées. Et il s'est demandé d'où venait cette popularité. Est-ce que c'est parce que quelque chose est populaire, que plein de gens le voient, plein de gens en parlent, et du coup il reste populaire, ou est-ce que ça dépend d'une qualité intrinsèque du produit culturel? Il avait mis en place cette expérience en 2008 pour tester ça. Il a demandé à un ensemble d'utilisateurs d'aller sur des sites de streaming. Mais en fait, ce qu'il n'a pas dit aux utilisateurs, c'est qu'ils étaient chacun orienté au hasard vers trois sites de streaming différents. Alors, ces sites de streaming, ils étaient identiques, sauf que le classement initial des chansons populaires qu'ils proposaient avait été modifié aléatoirement dans les trois versions. Je ne sais plus si c'est trois, mais. Et donc, il a laissé pendant un certain temps des utilisateurs aller sur cette plateforme, écouter les choses. Et ce qu'il a regardé à la fin, c'est le classement final des chansons populaires. Avec l'idée que si la popularité est une qualité intrinsèque, la chanson la plus populaire du serveur A devrait être la même que celle du serveur B, que devrait être la même que le serveur C. Alors que par contre, si c'est une qualité qui dépend de la popularité du temps d'avant, si c'est quelque chose d'autoréalisateur, c'est pour ça qu'il parle de self-fulfilling prophecies, alors en fait, le top ranking il dépendra de la condition initiale des popularités du serveur. Et en fait, il montre que c'est plutôt l'hypothèse B qu'on observe, que les chansons connues restent connues et donc surfent sur cette vague de choses. Et dans ce cadre-là, bon, alors c'est un petit ranking comme ça, c'est un système de recommandation. Et ce système de recommandation, il a un énorme impact derrière, puisqu'il va conditionner toute la popularité de la chose. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est des vidéos. Donc, les items, les objets qui sont vendus, qui sont proposés, c'est des vidéos. Bon, ici, c'est des vidéos sur YouTube. Donc, un item, c'est une vidéo. Ça correspond à une page web où on la voit. Par exemple, ici, on est parti d'un item bien neutre, un clip de Lady Gaga. Et ce qui nous intéresse, c'est la recommandation sur la droite, les autres choses. Donc, Lady Gaga, on recommande Michael Jackson, tout ça. Bon, ça, je crois que c'est connu de pas mal de gens. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces choses-là? Ben, on va écrire un petit crawler qui va se mettre à explorer ces graphes de recommandations. Comme il va faire, il va naviguer le web des recommandations. Donc, s'il part de la vidéo de Lady Gaga, et puis il va virtuellement cliquer sur chacune des recommandations, la vidéo de Michael Jackson, et chacune de ces recommandations va l'amener sur une nouvelle vidéo qui, à son tour, va l'amener à de nouvelles recommandations. Et comme ça, il progresse. Il repère comme ça le réseau de recommandations.
Et ce qu'on va établir à partir de là, c'est un graphe de recommandation à une certaine profondeur, parce que bon, il fait pas trop de doute qu'on arriverait à peut-être observer tout le graphe de YouTube comme ça, mais c'est un peu trop gros pour ce qu'on veut faire. Et donc ça, on l'a répété régulièrement. En fait, on l'a fait toutes les heures pendant 33 jours. Donc ce que vous voyez ici, c'est en X, c'est le temps. Chaque point, c'est un graphe qu'on a récupéré, un graphe de recommandation. Et en gros, ils font 2500 nœuds et un peu plus de, enfin, à peu près, un peu moins de 5000 edges, 5000 liens à l'intérieur. Donc c'est pas vraiment des arbres, il y a du recoupement. Et ce que ça permet de voir, par exemple, c'est ce genre de perspective. Il permet, par exemple, de voir le dynamisme des recommandations. Ce qu'on regarde là, c'est la différence entre le graphe autant T et autant T plus 1. Donc, la différence de recommandation entre une heure et une heure suivante. Et on voit que ça change à 74, ça reste identique à 74%. Donc, il y a 25% qui changent toutes les heures à peu près. C'est une première observation. On pourrait faire des choses. On peut aussi regarder qu'est-ce qui se passe si on fait tourner ce crawler avec un cookie qui permet d'identifier un utilisateur et sans cookie, donc de façon anonyme. Donc, on les fait tourner comme ça et on regarde ici, on peut représenter le graphe qui est résultant des deux crawls. Et ce qu'on voit à la gauche, c'est donc le graphe de recommandation de l'utilisateur identifié par YouTube. Et on observe un graphe relativement compact, avec pas beaucoup de nœuds, et trois belles communautés qui sont colorées ici, la rose, la verte et la bleue. Et relativement dense. À l'inverse, si on fait la même observation mais sans le cookie, on enlève à YouTube la connaissance de l'utilisateur et du coup la connaissance des profils qui l'intéressent et des sujets qui l'intéressent. Et ce qu'on observe comme type de résultat, c'est un graphe beaucoup plus, qui ressemble beaucoup plus à un arbre, qui part plus de nœuds et une structure communautaire beaucoup moins marquée. Donc ça part un peu partout. Parce qu'on pourrait traduire ça intuitivement par l'idée que YouTube ne connaît pas l'utilisateur, donc essaye de trouver qu'est-ce qui pourrait bien l'intéresser, donc lui recommande un peu de tout, un peu n'importe quoi. Voilà. Donc ça permet déjà de voir une différence, enfin, on observe un comportement différent du recommandeur suivant si on lui donne un cookie ou pas. Et nous, ce qu'on va s'intéresser à faire, là, c'est plutôt, c'est pas les effets de la personnalisation, même si c'est un peu lié, c'est montrer comment on peut adopter ce genre d'approche pour étudier les phénomènes qu'on appelle le biais. Donc, qu'est-ce que c'est le biais? C'est relativement difficile à... Alors, enfin, on peut le définir le biais de plusieurs façons. Déjà, on peut définir pourquoi est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un biais. Erwan en a déjà un petit peu parlé. Il y a plein de raisons qui peuvent amener à manipuler l'information qu'on donne aux gens. C'est ce qu'on appelle, dans un contexte politique, par exemple, la censure. Donc, on va essayer de cacher de l'information parce que, mettons, YouTube ne veut pas qu'on regarde des vidéos de Trump ou des vidéos de Clinton, machin. Voilà. Peut-être moins grave, mais aussi plausible, peut-être, enfin, possible. C'est les raisons économiques. Peut-être que YouTube ou le provider gagne plus d'argent lorsqu'on regarde certains types de vidéos ou lorsqu'on achète certains types de produits que lorsqu'on en achète d'autres concurrents qui n'ont pas acheté de la pub, par exemple. Donc, ce qu'il va faire, c'est que pour des raisons économiques, il va avoir plus intérêt, lui, à ce qu'on regarde un type de vidéo plutôt qu'un autre. Et enfin, de toute façon, on va dédouaner un peu le truc, il y a plein de raisons aussi non malicieuses qui peuvent amener un provider à manipuler ses résultats. Il y en a une, c'est la notion de sérendipité. C'est que une fois qu'on a établi nos correspondances entre les utilisateurs, si on leur recommande que des choses qu'ils connaissent et qu'ils aiment, on n'a aucun moyen de savoir les nouveaux contenus qui arrivent, par exemple, où les mettre, puisque personne ne les aime encore. Donc on va essayer de... Ou on n'a pas moyen d'intéresser les gens sur de nouveaux sujets. Donc là, on va essayer de tester un petit peu et de rajouter un peu de hasard, de faire du recuit pour que... pour avoir des nouvelles recommandations et avoir un système. Mais bon, nous, de notre point de vue, clairement, on ne peut pas, enfin du point de vue utilisateur, on peut rien dire des motivations qui amènent à faire du biais. Bon, ici, ce qu'on va simplement supposer, c'est que avoir des biaiser la recommandation, c'est en fait modifier ce graphe de recommandation. Donc se mettre à rajouter dans les listes de recommandations. Des items qui n'ont rien à faire là. Parce que, par exemple, ils nous intéressent parce qu'on veut gagner de l'argent, des choses comme ça. Et je vais m'intéresser à deux questions, en quelque sorte. La première, c'est de voir comment, si on rajoute artificiellement des recommandations par-dessus le résultat d'un recommandeur, on va voir que ça a un impact sur la structure du graphe de recommandation. Ça va être le premier point.
Et le deuxième, par la suite, on va voir qu'en fait, en exploitant cet impact, on peut le renverser en fait et utiliser les changements induits par ce rewiring pour détecter les actions, les arcs qui sont probablement biaisés et qui n'appartiennent pas à la sortie du recommandé. Donc, comment est-ce qu'on a pu tester toutes ces hypothèses? Parce que sinon, ça resterait dans le vent. Mais en fait, dans nos crawls YouTube est suffisamment gentil pour nous donner une vérité de terrain. Ce qu'on voit ici, c'est les recommandations pour la vidéo de Lady Gaga. Et en fait, si on observe bien, il y a deux types de recommandations ici. On oublie la playlist au milieu. Voilà. C'est que YouTube nous recommande... Alors, à l'époque où on l'a fait, il recommandait 20, 19, plus la playlist, mais 19 recommandations. Et en fait, il y avait 17 recommandations normales. Celles-là, on peut les voir parce qu'en dessous du titre, de l'auteur, il y a le nombre de vues. Ça, c'est le mode de recommandation normal. Et puis, il va manipuler et rajouter artificiellement deux recommandations. Et pour l'instant, il est suffisamment gentil pour nous dire « recommandez pour vous ». Donc, ça veut bien dire qu'il y a une manipulation de la sortie normale du recommandeur. Ici, pour notre bien, parce qu'il pense que ça va plus nous intéresser. Et ça, ça va nous donner la vérité de terrain. C'est qu'on sait que dans les graphes qu'on a collectés, il y a 17 liens cool et 2 liens manipulés. Et le but des expériences que je vais vous présenter, ça va être d'essayer d'établir des prédicteurs qui permettent de détecter de tels types de manipulations, de liens rajoutés. Alors, pour comprendre comment ça va marcher, il faut passer par... je pense qu'on peut essayer de passer par le modèle de Watts-Rogatz. C'est un modèle qui a été utilisé pour le petit monde. Et donc, on commence par un graphe qui ressemble à une grille, comme ça. Donc, c'est un graphe avec une énorme localité. Il faut le voir comme ici, chaque nœud, donc c'est un item. Et les items sont bien reliés entre eux dans leur voisinage. Il y a une localité, c'est une grande grille. Une façon de l'expliquer, un parallèle avec le social, c'est de dire que les habitants de Toulouse connaissent beaucoup de Toulousains. Et les habitants de Wuhan connaissent beaucoup de Wuhanais. Et les gens se connaissent comme ça avec un certain aspect de localité. Les amis de mes amis sont mes amis. Et c'est la structure locale du graphe. Dans notre esprit de recommandeur, c'est cette fonction de similar. En fait, un item qui est similaire à un objet A et un item B qui est similaire à un objet A et qui est similaire aussi à un objet C, ça veut dire que A et C seront relativement proches. Il y a une forme de transitivité. On peut le voir aussi parce que souvent, cette similarité, c'est une distance. Donc, une fonction de distance. Voilà. Et donc, les liens courts, ils vont capturer ces notions de localité ou d'homophilie. Donc, très local. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que dans une grille, un tel graphe comme ça, le diamètre, par exemple, le temps que je vais mettre à parcourir, aller de tout en haut à tout en bas, il est très long. Et de N, s'il y a une grille, là, par exemple. Et puis, ce que je vais faire, c'est que cette grille, je vais l'augmenter. Ça, c'est le modèle de Kleinberg. Je vais me mettre à ajouter des liens longs. Donc ici, par exemple, du V, pour chaque nœud, je vais tirer deux liens qui n'ont pas de rapport, cette fois, avec la localité et qui vont arriver un peu n'importe où sur le graphe. En fait, ça, on appelle ça des... Alors, en sociologie, ils appellent ça parfois des weak ties, des liens faibles. Mais qu'est-ce que ça peut être pour filer la métaphore sociale, il s'agit des gens, des Anglais qui sont à Wuhan et qui prennent l'avion pour aller à Londres, par exemple, ou à Toulouse. Voilà. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir un effet dramatique sur la structure du graphe. Parce que en tirant des liens, quelques liens comme ça, on va complètement détruire la fonction de localité. Enfin, on va replier le graphe sur lui-même. Et il se trouve que, vous imaginez que ces liens bleus, ils arrivent pour deux chaque. Et le diamètre du graphe, la distance entre lui et lui, elle se retrouve énormément réduite. Et si le graphe, c'est par exemple un graphe de contamination, et ben, on se rend bien compte de l'impact que ça a, ces liens longs, et la capacité de s'abstraire des distances géographiques, finalement. C'est elle qui augmente la vitesse de contamination. Dans notre cas, ce qu'on va supposer, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces liens longs, c'est des liens qui sont rajoutés sans aucun rapport avec la localité et la similarité qu'a utilisé le recommandeur pour faire ses recommandations. Et donc, ces liens longs, ils sont indépendants de la localité et ils vont avoir le même effet que les liens longs, le vol transatlantique vers Wuhan,
je sais pas quoi. Voilà. Alors, une façon de le voir, c'est de regarder l'impact de ces liens longs sur le graphe. Ici, ce que je présente pour un graphe de recommandation, c'est la distance entre une vidéo, le nombre de clics qu'on doit faire pour passer d'une vidéo à une autre dans le graphe de recommandation, pour toutes les paires de vidéos. En moyenne, on voit que c'est 4. Il faut faire 4 clics dans ce scroll pour aller dans le truc. Par contre, si j'enlève les deux liens recommandés pour vous, les liens biaisés, si j'enlève juste du coup 2 sur 17, 2 sur 19, on va dire 10% des liens, ben, juste ces 10% des liens, ils ont un effet dramatique parce qu'ils vont complètement modifier la distribution des distances. Et dans le nouveau graphe sans ces liens-là, on se rend compte que maintenant, il faut que je fasse en moyenne, je sais pas, peut-être 7 ou 8 clics, deux fois plus. Donc, c'est des liens très importants. Et en fait, c'est cette importance des liens qu'on va utiliser. Pour mieux le comprendre, on peut même définir une espèce de modèle, un modèle un peu jouet, mais qui marche pas mal. Le modèle, on va imaginer un premier recommandeur. Un recommandeur, on peut imaginer un KNN, mais n'importe quel type de recommandeur irait, je pense. En fait, un recommandeur de ce type-là, il a un ensemble d'items. On peut imaginer une grosse matrice, un ensemble d'items. Chacun de ces items, il est décrit par un ensemble de features, des features ici. Voilà, et basé sur une fonction de distance entre ces items, basé sur cet ensemble de ce vecteur de features, on va établir des proximités entre les items, et c'est ça qui va nous servir à faire les recommandations. Ça, c'est le cas classique de la recommandation. Mais là, pour notre test de biais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un autre ensemble de features. On va appeler ça des primes. Ça, ce serait plus les features cachées, les features du type combien d'argent je gagne, quelle est la rentabilité du produit, l'acceptabilité politique pour moi, etc. Les features cachées. Et on va supposer que l'opérateur, il va produire le gros de ses recommandations à l'aide de R, mais qu'il va aussi en même temps cacher quelques features à l'aide du deuxième recommandeur du biais. Donc il va rajouter deux liens biaisés obtenus à l'aide de R'. Deux liens bleus. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on arrive à, sans avoir bien sûr la réponse, est-ce qu'on a, sans avoir la couleur, est-ce qu'on arrive à deviner si c'est un lien vers un rouge, vers un vert ou un lien vers un bleu? Et là-dessus, on va paramétrer notre modèle avec, on va paramétrer ça par l'intersection des espaces de features. Ça nous permet de varier. En gros, quand le IRR' il est à 0, on a les deux matrices elles sont complètement indépendantes. Donc ça veut dire que les raisons pour lesquelles je vais recommander un item de façon normale sont complètement étrangères aux raisons pour lesquelles je vais rajouter du biais. Il n'y a aucun lien. Donc je vais recommander des vidéos en japonais à des Américains, même s'ils ne comprennent pas, juste parce que ça me rajoute de l'argent, je m'en fous. Voilà. Et puis quand IRR' à l'autre inverse, quand on fait complètement se confondre les deux matrices, finalement le biais qu'on rajoute, c'est il se base exactement sur les mêmes d'informations que le truc normal et que les recommandations normales. Donc en fait, c'est comme si on rajoutait pas de biais. Voilà. Et ce qu'on peut observer déjà, c'est que l'impact sur les distances, il est tangible ici aussi. Si je regarde ma distribution de distance dans des graphes de recommandations que je génère à partir de mon modèle, sur les mêmes principes, pareil, si mes recommandations elles sont indépendantes, donc si j'ai le biais maximal, le plus aléatoire, je vais avoir une énorme distribution, une grosse distribution à 4 clics, alors que par contre, si mes distributions, elles sont, si mon biais il est réduit au minimum, je vais avoir une distribution autour de 6. Donc, je vais avoir le même système. Et en fait, cette observation, on peut l'utiliser pour détecter les nœuds biaisés. Pourquoi? Une façon de le comprendre, c'est de se dire qu'en fait, enlever 10% des liens, c'est un impact dramatique sur la longueur moyenne de chemin. Donc, c'est des liens très importants. Autrement dit, c'est des liens par lesquels passent beaucoup de plus courts chemins. Donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est compter le nombre de plus courts chemins sur lequel est un lien et dire plus un lien est sur beaucoup de courts chemins, c'est ce qu'on appelle la centralité d'intermédiarité, plus je vais deviner, plus je vais lui accorder des points et plus je vais penser qu'il est biaisé. Et donc, ainsi, on crée un détecteur, un classifier, si on veut, de nœuds biaisés. Et alors, comment ça marche? C'est une heuristique vraiment très simple. Et comment ça marche? Je vais vous le présenter avec une courbe ROC, Receiver Operating Characteristic.
C'est un peu poilu, mais on va aller par étapes. En fait, dans mon graphe, je prends tous les nœuds. Et je vais demander à mon détecteur de liens biaisés, est-ce qu'il est biaisé celui-là, est-ce qu'il est biaisé celui-là? Et donc, pour chacun des arcs de mon graphe, je vais les classer du plus probablement biaisé ici au moins probablement biaisé là-bas. Et ce que je vais regarder, c'est lorsque je prends par exemple, les 25% de mes arcs les plus probablement biaisés, si je regarde ces 25%-là, combien sont biaisés dans la réalité avec ma vérité de terrain? Et on se rend compte que si on imagine un classifier qui répond n'importe quoi, qui répond juste au hasard pour chacun des arcs, ben, si je prends au hasard 25% de mes arcs, je vais avoir au hasard 25% de mes arcs biaisés, puisque je n'ai pas plus de chances que le hasard de les choper dans mon truc. Si je prends au hasard la moitié de mes arcs, je vais avoir statistiquement la moitié des liens que je cherchais dedans. Ce n'est pas terrible. Donc, en résumé, un random classifier, il aura une caractéristique diagonale. À l'inverse, un classifier parfait, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va vachement bien détecter. Donc, dans le plus probablement biaisé, il va mettre tous les arcs qui sont biaisés en réalité. Et puis après, il va mettre le reste. Et donc, ce qu'on va observer, c'est que cette caractéristique, elle va aller directement à 100%. On va trouver dès le début 100% des liens qu'on cherchait. Et puis, plus rien après. Donc, sur notre modèle, ce qu'on peut observer, je vous rappelle le IRR', quand IRR', il est très bas à 4, par exemple, ça veut dire que en fait, les recommandations biaisées, c'est quasiment les mêmes que celles que ferait le recommandeur classique. Donc, il n'y a pas moyen de les détecter, ça ne fait pas des liens importants. Et donc, on a une caractéristique qui est très proche du random. Et au fur et à mesure où on découple le système, au fur et à mesure où on se met à faire des recommandations de plus en plus agressives, donc on va biaiser de façon sans respecter du tout la structure originale, l'espace original des recommandations, et ben, plus on fait ça, plus les liens de biais ils ressortent, ils vont couper la structure originelle du graphe de recommandation, et donc plus on va pouvoir les détecter, parce que plus ils vont être sur des plus courts chemins, plus ils vont être des raccourcis. Et donc c'est ce qu'on observe la courbe rouge là. Et sur nos vraies données, donc là où on utilise la vérité de terrain de YouTube, on fait la même chose. Et ce qu'on observe, c'est que le classifier qu'on fait, il trouve de façon quasiment parfaite 50% des edges. Et après, il marche plus du tout. Mais ça, c'est un effet du sampling, c'est parce qu'on regarde à une profondeur limitée, enfin, pour expliquer. Mais grosso modo, si je voulais en faire un classifier oui/non, je couperais là et j'aurais une chance sur deux d'avoir mon arc biaisé sans faux positif. Donc ça donnerait quelque chose qui marche très très bien et puis la suite, on peut l'améliorer. Voilà. Je termine. Ici, on a juste vu l'exemple d'une application le but, c'est de faire détecter du biais. Et le principe sur lequel ça repose, c'est l'idée que les recommandeurs, pour faire des recommandations, ils ont besoin de localité, d'une espèce de similarité. Et qu'en fait, lorsque je vais venir rajouter du biais, je vais casser cette localité. Et donc, en le cassant, ça me donne une méthode pour l'observer et pour détecter de telles manipulations de résultats. On a vu qu'on avait une heuristique qui marchait pas trop mal, mais surtout, ce qui est important, c'est que ça permet de. C'est des observations qui peuvent être faites au niveau utilisateur. On pourrait imaginer un plugin dans un navigateur qui regarderait la chose et qui dirait, oui, à mon avis, ce lien-là, il est trafiqué ou pas. Le papier, il est là, Topological Face of Recommendation. Et si je ferme un peu cette boîte spécifique, ce qu'il s'agit là, enfin, moi, je le perçois comme une approche de sorte de reverse engineering. Mais dans le contexte des boîtes noires à distance. Donc c'est un contexte très difficile parce que déjà reverse engineering c'est dur, mais en plus on est à distance, il y a plein de choses qu'on n'a pas contrôle, il y a plein d'inputs qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise même pas les évolutions du code, tout ça. Mais en fait, à l'inverse d'un reverse engineering, nous ce qu'on veut c'est juste les réponses à quelques questions, type est-ce biaisé ou pas, est-ce que cet algorithme il est honnête ou pas. Donc c'est des questions simples qu'on veut et c'est comme ça qu'on trouve. Qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et puis en Open Research Question, j'aimais bien cette photo, qui est complètement dystopique. Donc c'est Zuckerberg à la présentation de son truc. Pourquoi je trouve que notre étude sur Facebook et sur YouTube, elle était pas mal. Notre modèle, il cherche à détecter des recommandations agressives de produits en pensant vraiment l'aspect économique.
Mais plus récemment, ce qui est arrivé, c'est plus, enfin, les questions, ce dont les gens parlent pas mal, c'est plus l'effet inverse. C'est que YouTube, ou en l'occurrence Facebook ici, va cacher des contenus dans le but que les gens ne les voient pas. Ici, c'était juste avant le G7 et c'est plusieurs sites d'activistes de gauche qui se sont plaints de voir leur nombre de visites brusquement chuter la semaine du G7 et qui trouvaient ça étrange. Et enfin, pour en discuter, et je pense que Facebook, tous ces gens, YouTube, tout ça, ils ont quand même une énorme manne qui est basée sur le marketing. Et on oublie qu'à la base, marketing et propagande, c'est vraiment les mêmes frères, hein, de la même création et du même processus de manipulation, enfin d'orientation des affects. Et voilà, je pense que c'est une question importante. Merci. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Test. Merci pour la présentation, c'était assez sympa. Donc justement, je voulais revenir sur quelque chose dont vous aviez parlé, c'est la rocofaciale dans les pays asiatiques, qui, je crois, se rapproche très près de nous. Pour le moment, la loi joue avec nous, mais je pense que ça ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ça, c'est difficile, c'est peu scientifique, là, c'est vraiment plus politique. Là, c'est des choix sociétaux. Nous, on n'a pas trop de. Enfin, on est juste là en tant qu'observateur, donc on n'a pas. Il y a un super papier de Treger aussi qui s'appelle Le vrai visage de la reconnaissance faciale. Oui. Ça, c'était. Et qui fait bien le truc. Quadrature du net. Après, enfin, moi, à titre personnel, j'ai un peu du mal parce que, enfin, disons, c'est des questions techniques là. L'image, c'est une sous-branche, c'est quand même vachement pointu. Mais c'est aussi dans toutes ces questions, il y a aussi toute une dimension fantasme. Disons, recommandation. Quand YouTube a, non, Facebook a un moment prétendu qu'il reconnaissait mieux les visages que les êtres humains. Enfin, c'est comme ça que. Qu'un être humain, c'est comme ça que ça a été transmis. Et en fait, si on regarde dans les détails de son étude, c'est les stars d'Hollywood dont on possède plus de 100 000 photos, ou un truc comme ça. Et enfin, je veux pas dire que il faut toujours. C'est assez dur d'y voir clair là-dedans sans être un expert. Et pour l'aspect politique, non, je pense qu'on y va. Merci. Une autre. Oui, j'arrive. Bonjour, merci. Ouais, c'est très intéressant. Une question un peu fondamentale. Ce type d'algorithme de recommandation, est-ce que c'est intrinsèquement mauvais ou est-ce que ça peut avoir des usages, je dirais, moralement, positifs? Je commence, tu finis. Mais comme je le disais au début, je pense qu'on est obligé maintenant de passer par des algorithmes de recommandation. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contenu que si on n'a pas d'algorithme de recommandation, ça veut dire qu'on a peut-être 10 000 pages de résultats qui sont classées par ordre aléatoire, en fait, à aller explorer à chaque fois qu'on fait une requête. L'algorithme de recommandation, il est censé amener les choses les plus pertinentes à un utilisateur pour sa recherche. Donc moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est une aide adaptée à l'utilisateur pour accéder à l'information qui l'intéresse le mieux possible. Le problème étant qui l'intéresse, comment est-ce que ça se définit et quels sont les biais qu'on peut trouver au niveau hack, mais du côté service provider. Donc pour moi, c'est pas intrinsèquement mauvais, c'est simplement l'utilisation qu'on en ferait. Mais Oui, enfin, ça reste un outil. Je pense que la question, c'est qui est-ce qui sert, en fait, quoi. Est-ce qu'il nous sert nous ou est-ce qu'il sert les intérêts de. est-ce qu'on peut le contrôler si des audits sont faisables et qu'il y a des gens qui font un petit peu comme pour le logiciel libre ou des systèmes dans lesquels on doit avoir une certaine confiance et que c'est auditable, ben, à ce moment-là, le recommandeur, il peut être complexe. Je pense qu'on peut quand même toucher un mot très rapidement sur le fait que maintenant, les systèmes de recommandation, ils fonctionnent aussi massivement avec des réseaux de neurones et dont on sait que on ne sait pas forcément expliquer leurs décisions. Donc même sans vouloir être malicieux, on peut avoir des biais qui sont même pas forcément compris, ou alors qui sont dans les données, mais qu'on ne saurait pas expliquer. Donc
C'est pas forcément une volonté de nuire, mais ça peut être un biais aussi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et si on veut se passer de biais, il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter les modèles à base de réseaux de neurones qu'on ne comprend pas maintenant. On accepte de perdre quelques pourcents d'accuracy, de correction dans les retours, mais au moins on a des modèles explicables. Et quand on a une requête, par exemple, de type RGPD pour un retour, ben on utilise un arbre de décision ou quelque chose qu'on sait expliquer clairement, on renvoie le résultat à l'utilisateur, et là, ce n'est pas discutable, normalement, c'est clair. Je pense ajouter aussi, par rapport à la démarche de transparence, je pense qu'il y a une tension inhérente entre notre volonté de comprendre comment ça marche, et un petit peu, c'est quand même ceux qui apportent son argent aux plateformes. Si les plateformes étaient aussi transparentes, elles publieraient leur algorithme, mais du coup, elles perdraient tout avantage compétitif, en quelque sorte. Et donc, il y a une tendance pour elles de cacher quand même au max. Et ça, c'est une tension. Je ne suis pas sûr de voir comment elle va bien se résoudre, enfin, sauf dans des explications sous polet. Bah, c'est un peu l'objet de ma question. C'est vrai qu'on sent quand même que ce n'est pas facile de les mettre en œuvre de manière... J'avais une autre question plus proche du RGPD parce que justement, derrière, on est sur des traitements de données personnelles. Or, aujourd'hui, au moins sur ce continent, on est censé expliquer a priori à quoi va servir un algorithme. Ça rend toutes les objections que vous releviez là encore plus difficiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ces algorithmes puissent délimiter complètement tout ce qu'ils vont faire, hein, y compris dans le côté obscur. Mais là, c'est assez déclaratif. Hein. Ce qui est demandé, c'est sur requête, expliquer avec une explication. Je ne sais même pas comment on peut la contrôler du côté de l'utilisateur. C'est toujours le problème. Il y a quand même une confiance à avoir dans l'explication. Quoi. Les choses courantes. Enfin, je ne pense pas que les gens vont pouvoir débarquer dans le data center, prélever la machine et voir si l'algorithme il y a toutes les bonnes variables au bon endroit. Et on n'en est pas encore là. Quoi. Mais... L'autre. Oui. Enfin, moi, je crois que. Et il y avait cette image du restaurant où la question c'est aussi de se demander qu'est-ce qu'on peut apprendre sur les cuisines d'un restaurant juste en regardant les plats qui sortent. Et c'est un petit peu ce qu'on demande. On demande au serveur d'expliquer ce qu'il y a dedans et on regarde et nous on propose de regarder les plats qui sortent. Mais en fait la question de la norme alimentaire et tout, notre société elle a légiféré avant. Et elle a dit qu'il fallait qu'il y ait des inspecteurs qui soient autorisés à rentrer dans les cuisines, à regarder dans les frigos et à faire des inspections surprises et des choses comme ça. Et c'est pas du tout, j'ai l'impression, la voie que c'est en train de prendre pour le monde numérique. Et pourtant, je pense que ce serait une bonne chose. Merci pour votre présentation qui quand même pose beaucoup de problèmes. C'est comment identifier en fait les résultats quand on a de multiples causalités qu'on ne voit pas parfaitement. Et je prends comme exemple votre graphe qui est très intéressant puisque vous montrez donc une page activiste d'extrême gauche vis-à-vis du G7 si je me trompe. Mais du coup, on n'a pas les graphes vis-à-vis des médias engagés, vis-à-vis des pages qui ont été faites pour le contre-sommet du G7, et notamment le nombre de personnes qui fréquentent cette page qui sont allées au contre-sommet ou manifestées ou qui sont retenues contre leur gré. Ce que je trouve un petit peu dommage. Je ne sais pas si je l'ai présenté comme je sais, mais ça, c'est ce que les gens disent. Et c'est un peu dur de croire ces choses-là, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres outils que. On se dit que probablement il y a des choses à regarder par là, mais on n'a pas fait plus. Et puis, les plateformes ne s'expliquent pas là-dessus. Quoi. Quand on leur demande pourquoi il y a des chutes, c'est parce que c'est comme ça. On a des réponses aussi qui sont de type c'est dû à un bug qui a été corrigé. On perd la plateforme, mais c'est vrai, il y a vraiment des réponses comme ça. Donc, effectivement, il faudrait être beaucoup plus rigoureux statistiquement pour arriver à faire une preuve par l'observation. Quoi. Enfin, il y a des décennies de statistiques pour faire des mesures propres en observant des populations, mais là on est en milieu incomplet, bruité. C'est pour ça qu'on dit, nous on pense qu'il y a un début de gros boulot de recherche, de formalisation de ce qu'on peut faire, et voilà, c'est clair qu'il y a du travail. On peut citer aussi, ça me fait penser au motto de Google qui était Don't be evil, et qui a été changé récemment, et maintenant qui est Promote a healthy conversation environment, ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Bonjour. Je ne vois pas où tu es.
Ici. Ah, salut. Merci encore pour la présentation. Question, depuis le début, vous nous parlez du coup, en fait, un peu comment nous subissons en fait, ces algorithmes, comment ils vont nous influencer dans nos médias. Et du coup, la question que je me posais, c'est comment on peut renvoyer la balle. Comment aujourd'hui, avec nos moyens, avec nos bots et compagnie, comment on peut, vous avez parlé de réseaux neuronaux, comment on peut réapprendre à ces algorithmes, comment on peut interagir avec eux et les altérer de notre côté. Justement, je pense qu'effectivement, créer des bots pour prendre de l'information, parce que tout ça, c'est basé sur de l'information utilisateur, donc qui appartient par le fait que les utilisateurs cliquent sur la charte en allant sur la plateforme. Donc, les résultats proviennent de ces données-là. Maintenant, il y a probablement beaucoup de gens qui vont aussi crawler les sites sur le long terme. Donc, nous, on a fait des expériences pour des hypothèses déterminées dans le temps, mais on peut imaginer des bots qui iraient surveiller pendant, par exemple, je sais pas, pendant les élections, plein de pages en parallèle pour voir ce qui se passe et essayer d'en tirer des conclusions aussi. Donc une première chose à faire, c'est, je vois pas comment on pourrait arriver à parler de ça sans prélever nous-mêmes de l'information en fait, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre là. Là, on parle quasiment de statistiques. Donc avant de parler de biais d'algorithme, on est obligé de collecter de l'info. Donc je pense qu'une première étape obligatoire, c'est de créer des moyens de prélever de l'information sur ces plateformes et de les stocker. Pour ensuite les analyser. Quoi, avec, et bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup d'outils derrière, après, une fois qu'on a l'information, pour essayer de juger du biais ou pas. Quoi. Première étape, prendre l'info. Après, si... ouais, enfin, je suis d'accord. Enfin, nous, on est assez favorables. Il y a plein de... Le problème du bonceur, par exemple, il est là. Il se résout que par des approches d'observation collective. Enfin, c'est ce qu'on pense. Et individuellement, souvent, l'utilisateur, il est assez faible dans pas mal de ces choses-là. Après, s'il fallait aller plus loin, là on parle que de techniques pour contrôler qu'on se fait pas trop bourrer. Est-ce qu'il y aurait pas mieux? Enfin, je pense que, disons, le mieux ce serait quand même d'être en contrôle de l'algorithme ou de trouver un moyen d'avoir des garanties internes sur ce truc-là, plutôt que de faire des contrôles a posteriori et espérer que ça se passe pas trop mal. Ça, c'est sous hypothèse qu'on reste dans l'état courant, c'est-à-dire que des entreprises qui cachent pour probablement de bonnes raisons aussi, pour des aspects concurrentiels, ce qu'ils font, ce qui peut être légitime, pourquoi pas. Mais il y a quand même des institutionnels qui sont en train de discuter de communs autour des données. Donc, on pourrait très bien dire, ce service, il est suffisamment critique de par son impact sociétal. Donc, maintenant, on veut que cet algorithme, il soit auditable. C'est un état qui installe des machines et qui l'audite par ses services. Enfin, on peut pousser aussi après là-dessus dans une étape secondaire, on va dire. Il ne faut pas être pessimiste, forcément. Hein. Mais nous, on fait pas des services, nous, on bâche les services existants. C'est tout ce qu'on arrive à faire. Ouais, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci.